tu es pas allé là-bas. Mes choses aussi, mes activités tournent autour, non? C'est quoi? Et donc tu as des amis qui gèrent quand tu n'es pas là? On s'entraide. Est-ce que tu sais que tu m'as jamais vraiment parlé de ton activité? Je sais que tu fais les photocopies, mais comment tu... Mais bon, je vais t'aider. Ne prends pas ça mal parce que je te demande... Juste parce que bientôt j'aurai plus l'argent de poche, tu vois. Il y a pas mal de trucs que je dois gérer. Tu me dis, tu n'as plus l'argent de poche, où est le problème? Il t'a dit qu'il partait au travail, est-ce qu'il t'a dit qu'il partait compter les gens en route? J'arrive là, je vois, c'est pas parce que je ne partais pas que mes gars ne bossaient pas. Les gars vont me faire le point, l'ensemble des trucs qu'ils ont photocopiés. D'ici le soir, ils te donnent un truc, il y a quoi? Super. Juste, je m'inquiétais comme ça fait longtemps. Tu t'inquiètes de quoi? Parce que c'est même que déjà le matin comme ça, tu commences à me poser des faux trucs. C'est depuis 3 mois qu'on est ensemble, non? Moi, tu as resté comme ça, je suis venu te voir. Je dis, George, je n'ai plus l'argent. Moi, je gère. C'est pas aujourd'hui parce que ton père, lui, l'a coupé les vivres que moi, il va mourir. J'ai toujours eu à prendre mes responsabilités en main, je suis un gars responsable. La seule fois où tu as mis ton argent dans mes choses, c'était quand il était en prison. Et tu as mis combien? 25 000, moi j'ai mis combien? Le double. Tu vois, je suis toi deux. Ok. Mais tu n'oublies pas que je ne t'ai jamais demandé l'argent de coiffure, l'argent de garniture. L'argent de coiffure, l'argent, c'est tout ça, c'est l'eau. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça fait seulement 2 semaines que je ne suis pas venu ici ou non? Mon qu'est-ce que est où? Où est mon travail? Les gars! Il y a quoi? Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'on m'agresse. Vous pouvez m'agresser, mais j'aimerais quand même entendre les chefs d'accusation, non? Sauf que quand tu parles comme ça, je n'entends rien. Articule. Articule. Que? Articule. Je parle mal. Je parle mal. Oui, gars, c'est quand même vrai que quand tu es fâché, tu parles là, on ne te comprend pas. Tu vois ce que je disais, non? Donc, essaye de... Calme-toi. Parle doucement. Souffle un peu. Respire. Essaye de parler un peu comme dans nos films d'avant, là. Genre, je suis en train de te dire que je suis fâché. Essaye ça. Je suis en train de te dire que tu as pris notre argent de la cotisation. Là, ça va. C'est bon. Et tu y es parti et nous, on n'a rien encaissé. C'est où? Ok, c'est bien. Ton problème, c'est la cotisation. Pardon, tonton, on passe à un autre chose. Pardon, tonton, ton problème, c'est quoi? Takam, tu vois le plastique ici? Oui. Je me balade avec depuis hier. Aujourd'hui, c'est quand? Ce n'est pas lundi. C'est lundi. C'est moi qui devais bouffer hier. Deux semaines. Gars, maïs, mon homme. Ok, t'as pas de problème aussi, c'est la cotisation. Pardon, grand, t'as pas de problème, c'est quoi? C'est mon ami. C'est ton ami et tu viens m'agresser avec lui? Tu dois, mon ami, tu me dois. Tu m'agresses parce que c'est ton... Ok, je vous ai écouté. On a fait le tour de table. Oui. En tant que modérateur de cette conférence, moi, par exemple, je te demande de fermer ta bouche parce que je ne te connais pas. Oui. Tu fermes ta bouche. Maintenant, en ce qui concerne vous deux, avant qu'on ne résolve vos problèmes, j'aimerais savoir, j'ai aussi une question. On était ici, là, on faisait nos photocopies tranquillement. La main, si elle vendait la nourriture, là, on avait nos kiosques ici, on faisait les photocopies tranquillement. Maintenant, là, je reviens, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Takam, apparemment, tu te fous de nos gueules. Le lendemain du jour que tu es parti, la communauté est venue ici. Je suis sûr que tu es de connivence avec ces gars-là. Ils ont cassé, comme tu vois. Ils ont tout cassé. La parole est déjà quelqu'un d'autre. Non, pourquoi tu parles encore? Nos photocopieuses étaient dehors, notre matériel était dehors, les photocopieuses.
On a pris ton matériel qu'on a donné à ton ami Moustique. C'est ton ami, non? On lui a remis ça. On est obligé de se balader avec notre bureau sur notre dos. Hein? Le syndicat! Regarde, laisse, on va, il va dire. Regarde comment on dit le syndicat. Vas-y, le syndicat. Le syndicat. Tu vois, non? Ça fait donc que le lendemain, avec ton ami Moustique, on devait se rencontrer, créer un syndicat pour aller revendiquer nos droits de photocopieur. Et voir comment on pouvait continuer avec la cotisation parce que je te rappelle que ton ami Moustique et toi, vous avez déjà bouffé. Vous aviez un nom en commun. Et maintenant, c'est lui qui devait prendre la semaine surpassée. Oui. Tu es parti. Et c'est moi. Tu vois le plastique, okay, ici, non? Ok, ça va. Okay, c'est moi qui devais prendre. Ok, on se calme sur le plateau. Donc, c'est bon. Je veux mon argent. Donc, en tant que modérateur, j'ai écouté tous les panélistes et vos différents argumentaires sur le point de vue. Mais j'aimerais faire un résumé. Le résumé de cette affaire, c'est que vous avez remis mon matériel, mes ordinateurs, ma photocopieuse. Vous avez remis tout ça à Moustique. C'est pas ton ami. Tu travailles avec qui ici là? Laisse-moi répondre pour vous deux, non? Vous avez donné mon matériel à Moustique. C'est ton ami, non? Comment vous pouvez porter mes choses et donner à Moustique? Mais si tu travailles avec qui ici dehors, ce n'est pas ton ami. Ok, bon, vu qu'on a le même problème. Hein? Ne fais pas comme dans les films ici. Toi, tu te tais. Je suis pas en train de rire avec toi. Ne me parle pas. Donc, moi, je reviens à vous. Donc, votre problème, c'est Moustique. C'est ça, non? Mon problème, c'est l'argent. Oui, c'est Moustique qui a votre argent. C'est aussi Moustique qui a mon matériel. Ce qu'on va faire, c'est que je vais, vu que pour qu'on puisse régler le problème qui nous concerne tous les trois. Oh, tu n'es pas dedans. Donc, je vais appeler Moustique. On a appelé Moustique la semaine dernière, ça ne passait pas. Est-ce que vous avez le bon numéro de Moustique? Moustique a deux numéros, le numéro quand il a les problèmes et le numéro quand il n'a pas. Appelle-le. Ok. Et enlève ta main. Demande au gars de se reculer. Appelle Moustique. Recule-toi. Appelle Moustique. Ok. Attendez. Est-ce que tu as le numéro de Moustique ici? Ouais, c'est ton ami, non? Appelle-le. Je suis obligé d'avoir tous ces numéros. Ok. Ça passe pas. C'est pas un problème. Tu vas, tu je connais là où je peux trouver Moustique. Je sais où je peux le trouver. Tu es sûr que si on parle avant, on aura nos deux gars. Je sais là où je peux le trouver, non? Vous voulez discuter avec moi? Tu dois te les mamites. Allons voir. Ouais, attends, vous m'emmenez où comme ça? Laissez-moi au moins, non? Si arrivé là-bas, la police me voit, on va croire que je suis un grand bandit. Tu veux qu'on t'amène, te laisse pourquoi? Nous, on n'est pas sûr de te laisser avoir notre argent. Vous aurez votre argent. Ça va. Rends-toi utile à la société. Demande à ton ami d'articuler. Gars, s'il te plaît, articule un peu. Je dis que les gars, laissons-le. Il ne peut pas courir plus que nous trois. Voilà, tu vois, tu fais les efforts. Tu essayes de t'améliorer. Pratique maintenant. Laisse-moi. Voilà. Oui, avance. On va avoir mon truc. Non, tu ne restes pas derrière. Avance. Ne me touche pas. Avance. On va. Non, ne me touche pas. Ça ne coûte rien. Donc, il y aura nous. On part. Ne me touche pas. Ne dois pas rester derrière. Marche d'abord là-bas. Comment vous m'attendez pas, non? Je sais, mon sac là-bas parce que je ne comment pas bagarrer là. Je ne veux pas que mon bureau se sèche. Il y a beaucoup de choses dans le bureau. Quel d'abord? Il dit qu'il allait laisser son sac. J'ai laissé mon sac. On doit d'abord partir avec ta cam. Ta cam, allons. Depuis, tu ne parles même pas. Depuis, tu n'es même pas en train de parler. C'est un fugitif. Les fugitifs parlent. On va ça dire ça quoi? Ne nous manque pas. Ne nous fais pas tourner n'importe quoi. D'accord, ne nous manque pas. Toi, tu ne peux pas t'aider. Et toi, ne me parle pas. Normalement, tu ne dois pas être ici. Gars, comment tu restes derrière comme ça là? On ne manque pas ici. D'accord, nous, on espère que nous, on va. Il y a notre argent. Bon, les gars, il y a encore quoi? Oui. Vous voyez là où il y a les mangues là? Voilà, je suis sûr que Moustique est là-bas. Moustique, c'est mon ami. Mm-hmm. Le problème maintenant, c'est que si on part tous au même moment, tous les trois, toi, tu n'es pas concerné.
Lui, il va avoir peur et peut-être que vous n'aurez pas l'information sur votre argent. Moi, je n'aurai pas l'information sur mes machines. Donc, ce que je propose, pour ne pas le frustrer, pour ne pas qu'il fuit, je pars d'abord, je discute avec lui. Après, je reviens. Non, attends un peu, moi. Donc, toi, tu veux dire qu'on te laisse partir avec notre argent et tu vas revenir nous trouver ici, là. Dans les films américains, il y a toujours le négociateur part d'abord avant que la police vienne derrière, non? Gars, on n'est pas dans les films américains ici. Ok, bon, ça va alors au Cameroun, non? Oui. Au Cameroun, n'est-ce pas, les sapeurs-pompiers attendent toujours, on éteint le feu avant de venir. Laissez que je parte éteindre le feu. J'ai plus à perdre que vous, hein. Mola, oui. On va faire simple. Donne-nous ton téléphone, ton C qui coûte cher, là. Donne-nous ça. Donne-nous ton Je vais vous tourner, pourquoi? Moi, j'ai plus à perdre que vous. Il a juste donne-nous ton téléphone qui coûte cher. Ça coûte 300, 300 000. Je vous donne. Donne mon téléphone. Oui. Dès que je pars, je finis avec lui, je reviens, vous me donnez mon téléphone. Oui. Voilà mon téléphone. Donne d'abord. Donne aussi ta chaussure. Tu veux ma chaussure? Donne ta chaussure! Tu crois qu'on doit te faire confiance pour quoi? Viens chercher, viens chercher. Mais gars, tu m'en commandes depuis non? Pardon, laisse ta cam. Tu me parles encore! Tu dis, tu me parles encore! Ta cam, résout d'abord nous. Tu vas pas fuir non? Je reviens prendre mon téléphone. Si le ministre m'appelle, vous dites qu'il est occupé. Oui. Ministre. Ta cam, on te contrôle, hein? Avec son laissac là. On peut faire comme ça, le gars. Heureusement que c'est la maison de moustique. Là. La maison de moustique, tu ne connais pas le gars là. Mais dis donc, va nettoyer les tables, tu fais quoi encore? Takam. Takam, tu fais quoi ici là? Non, je t'attendais, c'est un bon concours, je ne vais pas durer ici. Durer comment? Ma tante a dit que pas de visite aux heures de service. Tu viens ici là comment? Je sais, non. Je sais que quand tu n'es pas au campus, tu es ici, non. Donc, je sais que tu travailles. Viens seulement quelques minutes. Faut être bref. Assieds-toi d'abord. Ah où? Ça va. Là, tu vas bien. Gars, il me bat. Il y a quoi? J'étais au campus tout à l'heure. Mais je sais que tu es là-bas, non? Essaye, je ne connais pas où tu es. Sauf que, est-ce que tu es au courant qu'on a tout cassé? Je ne suis pas au courant, je suis à l'eau. Moi, papa là-bas. Je sais qu'on a cassé, on a cassé le truc. Et c'est depuis. On m'a dit que mon matériel est chez toi. Qui est on se prend des menteurs. Qui est on? Bon, je ne sais pas. Est-ce que mon matériel est chez toi? Non, l'expression de être chez toi là, c'est un genre comme si peut-être il travaille pour toi, qu'il garde ton matériel et tout et tout et tout. Il faut savoir un truc avec Takam. Moi, quand je vais au campus avant, moi, je vais chez vous. On est venu casser les trucs, on allait casser ton matériel. J'ai pris ton matériel que je protège, ça, il vient mettre chez moi. Tu me dis que c'est ton matériel chez toi quand tu parles à ton employé. Non, merci beaucoup. Tu sais que tu es la seule personne sur qui je peux compter. Je ne peux pas être. Quand tu me vois, on était au campus là, quand on faisait notre travail, je parlais avec qui? Ce n'est pas souvent à la pause quand qui j'appelle pour aller manger. C'est toi, non? Oui. Merci d'avoir pris mon matériel. Mais il est important que je me relance. Donc, je ne sais pas là où tu as gardé le matériel pour que je puisse très vite me relancer. Je suis dans une situation vraiment difficile. Sinon, ta mère va bien. Ma mère va bien. Le père, tout le monde, ils sont là. À la fin du mois, parfois, ils attendent qu'elle les envoie quelque chose, que je travaille avec le matériel là. Non, parce que vraiment, la famille, on doit prendre soin de la famille. Moi, vraiment, c'est ça que j'apprécie chez toi, parce que toi, tu prends soin de ta famille. Il faut continuer dans cette lancée. Avec le matériel, là, justement, c'est avec ça que je prends soin de ma famille. Il n'y a même pas les trucs sans caleçon. Entre un peu dans la galerie, s'il n'y a pas les photos de Sanganu. Il a seulement les photos. C'est que comme Takam est bizarre, peut-être qu'il y a les photos de Sanganu là-dedans. Donc, recentrons le débat. Le matériel. Bon, j'avais gardé ça au niveau de Nkomo. Parce que il y a les trucs, les photocopies, les imprimantes, c'est tellement grand comme ça. Je ne veux pas garder ça où je vis là. Et j'ai envoyé ça. Merci beaucoup. On peut alors aller en Komo quand chercher ça. Hein? On va en Komo, non? Pour que je récupère. Je dois très vite me relancer. J'ai oublié. Ce n'est pas en Komo. J'avais mis ça plutôt au niveau des mana. Parce qu'à Imana, là-bas, comme c'est à côté de l'axe lourd de la présence, là, dont le trafic, il n'y a pas l'embouteillage. Dans l'embouteillage, quelqu'un peut profiter, quand les gars qui arrachent les téléphones dans les taxis, là, quelqu'un peut arracher ça. Comme c'était même loin. Maintenant, comme c'est à Imana, là, c'est pas loin de Biémassi. Donc, on peut facilement aller porter ça et avant que tu reviennes travailler. Pardon, j'ai vraiment besoin de ça. Ah, ce n'est pas à Imana. C'est plutôt à Simbok. Peut-être qu'il y a
vidéo. Tu as peur de quoi? Takam avait raison. Articule souvent. Articule non, c'est comment? Je ne vous montre même plus. Et vraiment, comme mon frère qui est mis ça là, il n'est pas là. Il est là en mission. Moustique, tu sais quoi? Je vais me battre. On prend le dépôt, on part là où c'est. On prend, même si on prend la course. Pardon. Takam. Pardon. Tu sais, l'amitié, c'est pas une prise en charge. Takam, est-ce que tu es conscient que ta belle-sœur m'a attaché et m'a fouetté à cause de toi? Qu'est-ce que ça a à voir maintenant dans l'affaire? Takam, tu n'as pas daigné me donner le minimum, c'est-à-dire le moins de centimes pour que j'aille me soigner, Takam. Je t'ai aidé à presser tes habits le jour-là, non? Quand presser les habits sans presser les blessures? Moussi, qu'est-ce que ça a à voir avec mon matériel? Mon frère, ne bavale pas trop. Pour tourner, hein, je suis parti, j'avais un projet là, tu avais parlé du projet que je vais aller étudier au Ghana. J'ai utilisé ton matériel, j'ai trouvé ça quelque part pour le voyage. Mes outils de travail. Toi, tu sais que dans la cotisation, là, ouais, tu me dois d'abord 3000, non? Gars, dès qu'on nous choue nos dos, ça va, non? Moi, je suis même là-dedans, je vous aide même. Vous allez me donner quoi? Ouais, toi-même aussi, t'as quand même raison. C'est pas ton ami. Tu bavardes même d'abord trop. Comme tu n'étais pas en activité, j'ai donc pris ça comme ça que je n'ai pas gardé. Et entre temps, j'ai eu un problème, j'ai donc hypothéqué ça. J'ai mis ça en gage quelque part pour avoir l'argent. Tu mets ça en gage que je vais faire maintenant comment? Allons alors, je rembourse là où c'est. T'as quand même. J'ai l'impression que tu es matérialiste. Hein. Tu es matérialiste. Donc après tout ce que tu vas faire vivre, maintenant je mets tes machines de contrefaçon en gage. Tu veux maintenant me faire du chantage? T'as quand même, je suis pas dedans. C'est pour dire quoi? Que je n'aurais plus mon matériel. T'as quand même, oublie. Ça sert à quoi? Ta famille est riche, on va t'acheter un autre matériel, non? T'as quand même. Ma famille est riche? Quelle famille? Qui dans ma famille est riche? Bon, je me dis, parce que je te vois souvent en veste. Moustique, ouais, pardon, je suis très sérieux. Là où tu me vois là, la fille que tu connais là, Joyce, qui est à la maison avec moi, on est dans des situations vraiment graves. Donc, si c'est que tu me dis maintenant que je n'ai pas mon matériel, c'est dangereux pour moi. Moustique, s'il te plaît. Takam, tu sais quoi? Tu sais combien de fois j'ai bagarré à l'école pour toi? Tu sais combien de fois toi, je t'ai fait dormir chez moi quand il a plu, parce que tu ne veux pas rentrer tard du campus? Takam, tu peux venir aujourd'hui me parler de matériel parce que j'ai hypothéqué ton matériel pour la construction de mon avenir. C'est que tu es un faux ami et les faux amis, je les bac. Vas-y. Moustique, c'est ce que tu me dis. Takam, tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Mais avec les mains, tu ne peux pas. Il dit que vas-y. Justement, je ne peux rien. Donc, tu t'en fous de ce que je peux faire. Takam, ce que tu peux me faire ne peut pas dépasser ce que ta belle-sœur m'a fait. Takam, on m'a attaché. Quand il dit que tu peux tout faire, c'est que tu peux tout faire sauf appeler ta belle-sœur et peut-être. Soit appeler ta belle-sœur et veux voir quoi de pire dans ma vie. Moustique, c'est comme ça que tu me parles. Qu'elle fasse ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux sauf appeler ta belle-sœur? Il y a souvent vu le genre ici. Hein. Gars, look encore mon lycée là. Non, ça peut faire qu'il nous a donné un autre. Je ne vous montre plus le téléphone là. Attendons, t'as comme. Indemnité sur le kidnapping, taxe sur la bastonnade et aussi un prix à payer sur la séquestration. Gars, t'as comme. Ce que je dis et je déclare, c'est que fais ce que tu veux, pas tomber là, passe au plan B. Ok, je passe au plan B. Passe au plan B, Takam. Moi, mon téléphone ne passe même pas depuis d'abord. Et j'espère, pas ici, les gens ne savent pas qu'ils travaillent ici. J'espère que quand tu es venu là, tu as pas indiqué là je suis à quelqu'un. Non, est-ce qu'il marche souvent avec les gens? Plan B activé. Takam, faut prier. Je vais voir si dans la semaine là, il peut trouver quelque chose. On va même payer. Je vais t'envoyer quelque chose pour que tu puisses compléter quand même pour te battre. Bonne journée, monsieur. Ok. Takam, mieux le call box que la photocopieuse. Parce que le call box, tu peux faire le transfert à quelqu'un, il va avoir ses data au campus pour faire les recherches. La photocopie, il ne sait pas qui va photocopier quoi. Il ne sait pas qui va photocopier quoi. Mieux vaut avoir tant de dents que d'avoir la mal bouche. M'appelez plus dans les rues comme ça. M'appelez plus. Que t'as appelé? Tu ne mangeais pas les bénis. Voilà ta cam. Ça s'est passé comment là-bas? Je peux avoir mon téléphone. Où est notre argent? Ça s'est passé comment? Où est notre argent? Vous voulez voir monsieur que vous ne voulez pas le voir? Moi, je veux voir mon argent. Je peux avoir mon téléphone. Donc, avec vos deux cerveaux mélangés, vous pensez que je suis assez bête pour prendre votre argent, partir et revenir à l'université? Pour faire quoi? Pour déterrer mon totem? Et même si je dois déterrer mon totem, je dois déterrer là-bas en journée. D'accord, mais si on peut avoir notre argent,
Là où vous me voyez là, je n'ai plus le temps à perdre. Ma vie, je ne sais pas ce que ma vie va devenir. Voilà Moussig là-bas. Allez le voir. Faites de lui ce que vous voulez. Donnez-moi mon téléphone et allez faire de Moussig ce que vous voulez. Donne-moi mon téléphone. Vous avez été aussi irresponsable pour donner mon matériel à Moussig. Donnez-moi mon téléphone, s'il vous plaît. En tout cas, c'est simple. Tu peux même lui battre son sein. On a fouillé. On connaît déjà où tu habites. Donc on peut te prendre à n'importe quel moment. Il n'y a pas de problème. Toi, là maintenant, tu peux aussi intervenir. Allez bagarrer avec lui. On est déjà amis. Avec qui? Il n'y a pas de problème. On va. On go. Allons chez Moussig. On go. On va. Allez. Mes problèmes, tu es là. On te fait un passeport pour gérer mes business. Tu viens m'embrouiller avec les conneries. Gaïe, fuis. Ok. Bonsoir, Taka. Bonsoir, Josh. Tu fais quoi là? Rien. Tu es sûr que tout va bien? Ça va. Tu as mangé? Dis-moi alors. Joyce, je ne veux pas passer par quatre chemins. Beaucoup d'hommes dans cette situation vont essayer de jouer les machos, faire comme s'ils pouvaient régler leurs problèmes eux seuls sans en parler avec leur femme. Et moi, je vais être clair avec toi. Là où tu me vois là, je n'ai plus de travail. Comment ça, tu n'as plus de travail? Mais tu as un kiosque à l'université où tu fais les photocopies, non? Oui, les bords, les TD et les examens pour la session normale. Et alors? Si je commence à te raconter tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, on va passer toute la journée là. Peut-être demain, 10h, va nous trouver ici là. Mieux, je fais la contention de texte. Et ce que je vais te dire, ce que tu dois savoir, c'est que je ne suis plus à même de subvenir à aucun de tes besoins. Là où tu me vois là, je n'ai plus rien et je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que tu veux me faire marcher parce que mon père m'a laissé à ta charge? Justement, si ton père était encore le sponsor officiel de notre relation, ça ne devait même pas être un problème. C'est parce que ton père nous a laissé que là on est coincé. Il ne veut plus mettre de l'argent. Moi, je ne peux plus mettre de l'argent dans notre business, c'est-à-dire la relation. Moi, je ne sais plus quoi faire. Quand je regarde un peu comment notre avenir se dessine, c'est la caricature. Le dessin là... Joyce, on va souffrir. Même pas un peu, non. On va vraiment souffrir. Ce sera le brouillon du dessin. Ok. Raconte-moi tout ce qui s'est passé, même s'il faut que je passe la nuit ici. Et en détail. Tu es sérieuse que tu veux que je te raconte? Oui. En détail? Ok. N'est-ce pas, je me suis réveillé le matin, non? Quand je me suis réveillé, c'était tôt le matin comme ça. Je me suis levé du lit avant de t'envoyer le SMS. Quand je t'ai envoyé le SMS, je t'ai dit, tu t'es réveillé, n'est-ce pas? Tu as fait pratiquement 5 minutes avant de me répondre aussi. Non, je suis... Pardon, s'il te plaît, réduis tes détails de 90%. Sinon, on en a pour 3 jours au moins. Tu vois alors la sorcellerie.
on te dit parle. Tu veux parler, on te dit parle avec les détails. Quand tu veux parler avec les détails, on te diminue les détails. C'est quoi finalement? Ok, je suis arrivé le matin au travail. J'ai constaté que le travail n'était plus au travail. J'ai seulement trouvé deux gars là, ils sont venus me demander comme vous tiquez où. Vous tiquez où? C'est à ce moment-là que je commence à être fait. Au lieu de je ne vois pas. Ouais, posez à vos parents d'aller s'abonner. Attention. Yeah. Voilà, yes.